Boker Tov. Dans la paracha, Moshe Rabbeinu, avec les Bnei Israël, ont gagné la guerre avec Midian. Donc en fait, ils ont eu la conquête. Édom, Moab, Ammon. Ensuite, ils ont eu les terres de Og Melech Bashan et de Sihon Melech Amori. En ce moment, il y a deux tribus et demie, la tribu de Gad, la tribu de Réhouven, et une partie de la tribu de Ménaché, qui viennent chez Moshe Rabbeinu et qui demandent de leur donner leur partie à travers le Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, pas en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu se met en colère. Comment vous refusez la terre d'Hachem Yitbarach? Ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous dit au début, quand elle raconte l'histoire, suite à quoi ils ont demandé de rester de l'autre côté du Jourdain et pas de rentrer en Eretz Israël, suite aux troupeaux qu'ils avaient. La Torah nous dit, Umikne Rav, Aya Livne Reuven, Velivne Gad, Atsum Meod. Vayrou et Eretz Yahazer, Eretz Gilad, Vihine Hamakom, Mekom Mikne. Ils ont vu la terre de Yahazer et de Gad, qui sont des terres qu'il y a pour faire brouter le troupeau. Comme que nous dit la Torah. Or, les enfants de Ruben et ceux de Gad, possédant de nombreux troupeaux, très considérables, lorsqu'ils virent le pays de Yahazer, et celui de Galaad, ils trouveront cette contrée avantageuse pour le bétail. Les enfants de Gad et ceux de Rouben viendront chez, donc, et parlant à Moshe et à Elazar, et ils disent comme ça: Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Cheshbon et Elaleh, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a fait succomber devant les enfants d'Israël est un pays propice au bétail. Or, les serviteurs ont du bétail. Et ils demandent en fait, on veut cette terre et on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Alors la Torah a dit au début que la tribu de Réhouven et de Gad, elle donne l'ordre des tribus, Réhouven, Gad, ont beaucoup de troupeaux. Mais après, quand ils viennent demander à Moshe Rabbeinu, on commence par Gad. Bah, Yavou Bnei Gad ou Bnei Reuven? On a changé l'ordre. Le Keli Akar pose la question, pourquoi on a changé l'ordre? Et ceux qui viennent parler, c'est d'abord Gad qui prennent la parole, et rien qu'après, Reuven qui se rajoute avec eux. Alors le Keli Akar nous répond que l'argent, le bétail, le troupeau, celui qui a beaucoup d'argent, il oublie sa place. Et il pense que parce qu'il a de l'argent, il a le mot à dire avant tout le monde. Comme il dit, Keli Akar, Achir, Hediot Kofet Varosh. Il pense que parce que Dieu lui a donné une richesse, il a le droit, il a un avis sur tout. Le sage qui n'a pas d'argent, il se tait, comme il dit Shlomo HaMelech, Divrei Ani Bezouim, Chochmato Ena Nishmaat. La sagesse du pauvre, on ne l'écoute pas. Baal HaMe'a ou Baal HaDe'a, on dit nos sages, celui qui possède, c'est lui qui présente son avis et c'est lui qui influence tout le monde. Et donc les Bnei Gad qui étaient plus riches que les Bnei Reuven avec leurs troupeaux, la seule chose qui les intéresse, ils voient tout à travers l'intérêt et leur argent. Ils étaient très riches, négatifs, ils étaient très forts en plus. Tarav, Zroav, Kodkod, les guerriers d'Israël, c'était de la tribu de Gad. Et ils disent, on peut se défendre tout seul, on veut s'installer ici. Mais ils ont perdu Eretz Israël, qui est pour tous les temps, même quand Mashiach va venir. La tribu de Gad n'aura pas une partie en Eretz Israël. Ils ont refusé Eretz Israël au début.
il ne rentre pas dans le compte des Bnei Israël. La tribu de Réhouven, pareil. Et la moitié, une grande partie de la tribu de Ménaché, qui se sont associés à eux, deux tribus et demie, qui ne rentrent pas en Eretz Israël. Eux, ils pensaient que, bon, c'est bien, on est en Jordanie, on n'a pas besoin de faire la guerre, on va construire notre ville, nos villes, avant que les Bnei Israël vont avoir leur ville à eux. Mais quand Sanhérib est venu détruire les tribus, c'est eux qui sont partis au début, en exil, et ils ont été écartés, éloignés du peuple d'Israël. Plus que ça encore. Du fait qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ils étaient loin du tabernacle, et ils ont commencé à fauter avec l'idolâtrie avant tout le monde. La Gemara est plus que ça encore. Mon cher Rabbeinu, avant de venir en Eretz Israël, il fait des Irmiklat. Comme dans le partage d'Eretz Israël, il dit qu'il faut prévoir des villes pour les assassins qui ont tué sans faire exprès Rotseach Bishgaga. Il a besoin de partir dans une ville de recueil et de rester là-bas quelques années. Et donc, il prévoit trois villes d'un côté du Jourdain et trois villes en Eretz Israël. Et la Gemara pose la question, pourquoi trois villes pour deux tribus et demie, trois villes? Alors la Gemara répond, Begilaad Shechiche Rotsrim. Les gens qui ont la Tahavat Mammon, qui cherchent l'argent et c'est l'argent qui les guide, c'est plus facile pour eux de tuer des gens. Avraham Avinu, quand il va en Égypte, avec sa femme, avec Sarah, il ne connaît pas encore l'Égypte, mais il sait que c'est un pays où il y a de l'abondance, où toutes les idées des hommes, c'est que faire de l'argent. Il dit, « Ah, en irat Elohim b'makom hazeh v'haraguni. » Il n'y a pas de irat shamayim, il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit, on va me tuer. Les pays où il y a le matérialisme sont les pays les plus dangereux à vivre là-dedans. Les États-Unis, un pays où il y a tellement d'abondance, il y a plus d'assassinats que tous les autres pays, plus d'assassins que tous les pays. On peut voir ça dans leur loi. Un assassin, il prend 30 ans de prison. Madoff, il a pris 150 ans de prison. Le mammon, plus important que la neshama, le mammon plus important que la vie. Ça, c'est des endroits dangereux à habiter. Quand quelqu'un y rentre dans l'union du mammon, il donne autant d'importance à l'argent pour lui de prendre une vie de quelqu'un parce qu'il pense qu'il lui a manqué de l'argent, qu'il lui fait un manque à gagner, ou quelque chose pour lui, ça devient un ennemi qu'il faut le tuer. Ça, c'est les Bnei Gad et les Bnei Reuven. Quand ils se sont entêtés à rester de l'autre côté du Jourdain, ne pas rentrer en Eretz Israël, ils ont transmis à leurs enfants une chose. L'argent, c'est plus important que tout. À part la grande perte qu'ils ont perdue, ne pas rentrer en Eretz Israël, ne pas recevoir toute la bracha d'Eretz Israël. Eretz Israël, Eretz Remda. Des fois, on se pose la question, est-ce que nous aussi, on ne fait pas comme Bnei Gad et Bnei Reuven, qu'un homme est attaché d'abord à son argent, à sa situation financière, avant de faire la Avodat Hashem. Il se pose la question, et comment je vais faire avec ma parnassa? Et comment je vais faire? Tu as une idée de venir en Eretz Israël, venir dans ta terre natale. On est dans un moment de Géoula. On refuse de comprendre que Eretz Israël, c'est notre endroit. On reste à l'étranger sur nos positions. J'ai acheté de l'immobilier. Comment je vais vendre directement? C'est plus avantageux. La vie est chère en Israël, etc., etc. Tout ça, c'est des réponses qui peuvent être justes. Comme Bnei Gad et Bnei Reuven, Moshe Rabbeinu, quand il a essayé de les convaincre de rentrer en Eretz Israël, ils n'arrêtaient pas de montrer avec leurs mains sur leurs troupeaux. Et comment tu veux qu'on fasse entrer ces troupeaux en Eretz Israël? Il y a des réponses. L'homme a toujours des réponses. Sha'arei teshuva lo ninaalu. Les portes des réponses sont toujours ouvertes.
Tout homme a des justificatifs, et beaucoup de justificatifs pour tout ce qu'il fait. On trouvera toujours. La question, c'est est-ce que ta réponse va t'amener ton bonheur ? Non. Mon Rav toujours disait, quand on était jeune, et il y avait un élève qui ne venait pas en classe, il dit « Pourquoi tu n'es pas venu ? Je n'étais pas bien, j'étais fatigué. » Il dit « Tout ça, c'est des réponses. C'est juste pour ne pas recevoir une punition, pour ne pas t'éloigner de l'école. Mais tu sentiras pas Talmid Chacham avec ces réponses. Quand quelqu'un il a mal à la tête, il n'est pas venu étudier, c'est pas ça ce qui va le rendre érudit en Torah. Il n'y a pas de justificatif par rapport à tes qualités de la Neshama. Toutes les réponses qu'ils ont eues, Ibn Gad et Ibn Reuven, des réponses dans le débat avec Moshe Rabbeinu, ils ont eu raison. Peut-être ils ont eu raison. Ils ont dit à Moshe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tout notre troupeau? Comment on va revenir? Nous, on sera là pour venir à militer avec vous, pour recevoir votre terre. Il n'avait plus de quoi leur répondre. Mais est-ce que, parce qu'il n'a pas eu de quoi répondre, ils sont devenus bons, ils sont devenus meilleurs, ils sont devenus des tzadikim? Non. Ils ont eu des assassins au Gilad. Ils n'ont pas eu de Torah. Ils ont eu l'idolâtrie. Ils ont été exilés avant tous les juifs. C'est eux les premiers qui étaient exilés. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous dit, le fait que tu as des réponses et des justificatifs, tu n'arriveras à rien du tout dans la Avodat Hashem. Kadosh Baruch Hu ne cherche pas des réponses. On lui dit, tu sais, je ne vais pas prier à la synagogue parce que je me lève très tôt le matin. Je ne vais pas dans un shiur Torah. Pourquoi? Parce que j'ai du travail. Kadosh Baruch Hu va te dire, ok, tu ne rentreras pas au Géhinnom. Mais le Gan Eden non plus, tu ne le recevras pas. Comment tu penses avoir du Gan Eden? Avec tes réponses que tu avais mal à la tête, avec tes réponses que tu ne pouvais pas, que tu avais une parnassa, que tu avais des enfants, ok, tu ne seras pas puni. Mais tu ne vas pas bénéficier non plus. Ça, il faut voir. Il y a des gens, des fois, ils regardent une petite chose. Ils pensent qu'ils ont gagné quelque chose, mais ils ont perdu énormément. Ils regardent les petits sous qui les convainquent à faire ce qu'ils font. Mais ils perdent davantage la grande bénédiction d'Hachem Yitbarach. Eretz Israël, au début, elle est difficile, c'est vrai. Première génération qui vient en Eretz Israël, ils vont avoir des difficultés, ils vont avoir des problèmes de la langue, etc. Mais pour leurs enfants et pour leurs descendants et les petits-enfants, c'est un bonheur absolu de vivre dans la terre de nos parents que 2000 ans on a rêvé, dans nos prières, on a pleuré pour Eretz Israël. C'est vrai, tous les débuts sont difficiles. Tout est dur. La alia en Eretz Israël, c'est très dur. Quand moi, je suis retourné en Eretz Israël avec ma femme, en 2005, on n'avait pas de quoi manger. Très, très dur. Et Baruch HaShem, grâce à ma femme, que je la remercie, on est resté, on s'est entêté. Et Baruch HaShem, maintenant, il y a de quoi manger, il y a de quoi. Mais avec les enfants, c'est un bonheur. Nous, on fait l'effort, mais après, on comprend Yesh Sarah, les peuples de la terre. Tout ce qu'on fait, si on fait pour se recueillir, pour venir dans la terre de nos parents, pour faire la volonté d'Hachem Yitbarach, Hachem lo yimna tov la'olchim betamim, il faut avoir la tmimut et la pshitut. Et de ne pas regarder par rapport à notre situation. Le émet, c'est le émet en soi. S'il faut venir en Eretz Israël, si la place du juif, c'est en Eretz Israël, donc ça ne dépend pas de l'argent qu'on a ou de l'argent qu'on n'a pas. Le émet, c'est le émet. Le émet, il ne change pas suite à ta situation. Le émet, la vérité, c'est une vérité. Donc s'il faut venir, il faut venir. C'est dur, c'est moins dur, c'est plus facile, c'est une autre chose. Mais le émet, c'est le émet. Si tu dois étudier la Torah pour purifier ta neshama, donc ça n'a aucun rapport avec tes souffrances ou pas tes souffrances. Si le seul moyen de s'approcher à Kadosh Baruch Hu, c'est Torah et Tfila, donc Zelo Shayar, c'est pas lié à tes problèmes perso. Et ça, il faut le savoir. Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont lié Eretz Israël à leurs propres problèmes. Eretz Israël n'est pas lié à aucun problème de personne. C'est pas la question comment je vais avoir ma parnassa. Eretz Israël, il faut qu'on sache, c'est notre place. Point. Comment faire? Il faut s'organiser. Mais s'organiser, savoir
que chaque moment que je suis à l'étranger, je ne suis pas dans ma place. Ça, il faut avoir cette idée dans la tête. Quand on a cette idée, on est clair, l'esprit est clair. Quand je sais que je dois étudier, que je n'ai aucun justificatif d'arrêter mon étude, ni malade à la tête, ni malade, comme il dit le Rambam dans l'Hilchot Talmud Torah. Ben Zahir, Ben Zaken Harbe, un vieillard, Ben Baal Issourim, Ben Achir, tout le monde, sans égal dans l'obligation de l'étude de la Torah. Tu peux t'acquitter en disant, je suis pas bien. Quelqu'un qui n'a pas jeûné Kippour, parce qu'il pouvait pas, parce qu'il a oublié, parce qu'il n'a pas mangé avant et donc c'était un danger, est-ce qu'il va avoir un mérite de Kippour? Non, il n'aura pas le mérite de Kippour. Sauf quelqu'un que c'est un danger pour lui. Il fait la prière, il fait tout. Mais quelqu'un qui n'était pas là, il peut venir réclamer une récompense comme s'il a fait? Et ça, il faut le savoir. Les tiroutsim, quand on a des justificatifs, ça ne nous rend pas meilleurs. Hachem Yébezrenou, quand on ne cherche pas des tiroutsim, quand on ne cherche pas des réponses, quand on cherche à faire vraiment la volonté d'Hachem Yitbarach dans tout ce qu'il nous demande, qu'on soit là, qu'on soit disponible, qu'on dit, je suis là pour faire ta volonté. Amen et Amen.